السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Leo tutazungumzia faida ya jina moja la Allah subhanahu wa ta'ala ambalo linaitwa Wadudu. Al-Wadudu. Hii Al-Wadudu ni jina katika jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Jina hili ni katika majina ambayo yana maajabu makubwa sana, yana siri kubwa sana pale utakapoweza kutumia. Na kwa bahati nzuri leo ninaye akhil karim, sahiba wangu hapa, Sheikh mkubwa katika maeneo ya Afrika Magharibi pamoja na Afrika Mashariki, ndugu yangu za kuwana na Muhajiri, nikiwa naye mimi ndugu yake ambaye anaitwa Sharif Suleiman Ngusura. Tunakuletea darasa hili lengo na dhumuni ili kila mmoja aweze kujua na kuondokana na matatizo ya aina mbalimbali. Karibu akhir karim. Naam, shukrani ya Sheikh. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala demander abondamment la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse descendre chez notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En bref, Sheikh Sharif, il est ensemble avec moi. Je suis content, je suis ravi de le retrouver encore, Inch'Allah, aujourd'hui. Il voulait vous parler la bénédiction que vous pouvez avoir, Inch'Allah, en répétant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wadudu. Al-Wadudu, c'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wadudu, si vous prenez ça comme votre zikr, Inch'Allah, dans votre vie, vous serez bénéficiaire de beaucoup de choses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wadud signifie quoi? Signifie Allah qui aime ses créatures. Allah aime ses créatures. Allah nous a créés et il nous aime. Il s'appelle Al-Wadud parce qu'il nous aime. Maintenant, Inch'Allah, Cheikh, il veut juste vous expliquer peut-être des choses que vous n'avez jamais pensé. Allah subhanahu wa ta'ala a répété ses noms et il va vous donner ces choses-là, Inch'Allah. Maintenant, je laisse la parole chez Cheikh Sharif. Naam, hili jina Al-Wadudu ni jina lenye maajabu mengi na lina siri nyingi. Moja ni kama ifuatavyo. Hadha al-ism man qara'a alf marra ala ta'amin wa akalahu ma'a zawjatihi ghalabataha mahabbatu wa lam yumkinha siwa ta'atihi. Yani jina hili pale utakapolisoma wewe ukachukua chakula, aidha maji au mchele au sukari au chochote kile chakuliwa, unachukua, baada ya kukichukua unakisomea jina hili mara 1000. Baada ya kusoma mara 1000, alafu kile chakula au kile kitu ale au mle wote kwa pamoja, sio tatizo, au ale yule ambaye unamkusudia katika upande wa mke au mume. Kama tayari ameshafanyiwa uchawi wa kukuchukia wewe mkewe, amefanyiwa uchawi wa kukuchukia wewe mumewe, mahaba yatarudi na atakupenda mume wake, atakupenda mke wake, mahaba ya dhati, mahaba makubwa sana. Miongoni katika faida yake ni jina hili Al-Wadudu. Kwa hivyo usiende katika njia za kishirikina, usiende katika njia za kumshirikisha Mola wako wewe. Maisha yenyewe ni mafupi haya. Tamka jina hili Al-Wadudu. Ya wadudu, ya wadudu, ya wadudu, ya wadudu, ya wadudu, ya wadudu. Tamka hivyo alfa marra, mara 1000 katika chakula, utaona maajabu yake, mahaba na mapenzi yatakavurudi katika nyumba hiyo. Allahu Akbar. Leno d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wadudu. Sheikh vient de le dire clairement ici. N'allez pas chercher, je ne sais pas qui ou quoi, pour trouver l'amour dans ta famille. Cheikh vient de le dire ici. Si vous répétez le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wadudu, vous restez à répéter ça, ya wadudu, ya wadudu, ya wadudu. Cheikh dit ici, répétez ça 1000 fois. Prenez quelque chose à manger.
la nourriture, peut-être du riz ou je ne sais pas, le sucre, le lait, hein, les beignets, toutes choses qu'on mange, Inch'Allah, prenez ça et mettez votre attention devant Allah subhanahu wa ta'ala. Répétez les noms ici 1000 fois. Ya Wadoudou, Ya Wadoudou, Ya Wadoudou. Soyez concentrés, Inch'Allah. Après, et totaliser 1000 fois les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez la nourriture là, mange ensemble avec celui que tu aimes, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Dans la famille, Inch'Allah, vous mangez la nourriture là. Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner l'amour et la paix ensemble. Vous allez vivre dans l'amour. Peut-être il y a des querelles entre vous et votre femme. Il y a des problèmes entre vous et votre mari. Maintenant, ne cherchez pas à aller chercher l'amour chez les magiciens ou chez les féticheurs. Notre vie est courte. Il faut toujours combiner nos actes ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Appelez Allah, invoquez Allah avec son nom, Ya Wadud. Répétez ça 1000 fois dans la nourriture et mangez ça dans la famille. Vous-même, vous verrez ce que Allah va faire dans votre famille, Inch'Allah. Alhamdulillah. Non. Non, il dit n'a pas. وأيضا من استدام على 400 منه بعد الفرائض لا يراه أحد إلا ومال إليه بالمحبة طبعا. الله أكبر. بيا جنايري mwenye kutaka kudumu nalo mwenye kutaka yule au mwenye kuamua sasa anadumu nalo kulisoma kila baada ya faradhi. Kila baada ya faradhi unaisoma mara 400. Eh? Mara 400. Ukidumu hivyo basi miongoni katika faida la yarahu ahadun. Yoyote atakayeonana na wewe atakuwa anakupenda, anakufurahikia na anapenda kuwa na wewe. Maana yake ni kwamba wewe ndugu yangu popote pale ulipo, aidha uwe kiongozi au uwe mtu wa kawaida. Muda mwingine tunawaongoza watu wametiwa fitina, hawakupendi, tayari chuki imepandikizwa. Ukisoma jina hili, hata kama wamepandikizwa fitina, watakupenda na watakufurahikia na watakuamini. Lakini pia vile vile, muda mwingine wewe katika mtaa unaokaa au nyumba unaokaa, fitina inaingizwa kiasi ambacho nyumba nzima hawakupendi. Ukisoma hivi, hata kama watu wamefanya fitina, watu watakupenda, watakufurahikia. Na si kukupenda tu, watakupenda hata kama wewe ni mfanyabiashara pia. Wasoma hivi, wateja watakupenda tena na kukufuata. Sio ile kupenda mtu alafu anakuwa chachana naye nampenda lakini achana naye. Hapana, mtu anakupenda lakini pia anakuja kwako. Ndugu yangu, tulitumie jina hili. Vovote ulivyo katika dunia Mungu alikokujalia, uwe kiongozi, uwe mtu wa kawaida, uwe kawaida kabisa kabisa, litumie jina hili, soma. Usikubali watu wakupige fitina kiasi ambacho wewe Mungu unaye, kuna njia nyepesi za kufanya, unakuwa mzito. Mara 400 nyingi kiasi gani? Eh? Nyepesi kabisa. Tena mara 400. Hili jina ni katika majina na maajabu makubwa. Hapa leo nimekuambia mara 400, lakini pia kuna idadi ya mara 3000. Ukikaa peke yako, soma pia hata kwa idadi ya mara 3000. Hiyo majibu yake ni hapo kwa hapo. Lakini sasa nitaishia hapo kwanza katika hii mara 400. Maana yake soma kila baada ya faradhi na utaona maajabu yake ndugu yangu. Mon frère, ma sœur, si vous en direz à répéter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous répétez ça 400 fois. Après chaque prière, c'est-à-dire d'abord il faut être quelqu'un qui se donne dans la prière. Il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois, comme Allah nous a recommandé, nous les musulmans, de prier 5 fois par jour. Et prier 5 fois. Après chaque prière, répétez les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, 400 fois. Mon frère, ma sœur, Allah subhanahu wa ta'ala te fera de bonnes choses. Tu seras aimé avec beaucoup de gens. Tu seras aimé dans ton village, dans ta ville. Tu seras aimé à ton boulot. Tu seras aimé partout. Je te dis, tu seras aimé. Vous vendez des choses, Inch'Allah. Tu seras aimé avec vos marchandises là. Il y aura beaucoup de gens qui viendront acheter chez vous. Beaucoup, je vous dis bien, Inch'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fera de bonnes choses dans ta vie. Maintenant, vous cherchez quoi?
Et vous cherchez quoi chez qui? Venez chercher des histoires devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh vient de le dire ici. Il y a aussi une autre formule. Si vous répétez 3000 fois les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Wadou, 3000 fois, il dit cela, Inch'Allah, Allah vous fera beaucoup de choses dans ta vie. Maintenant, peut-être le temps ne nous permet pas de parler beaucoup, Inch'Allah. Mais il y a tant de formules avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Wadou. Il y a tant de formules que vous pouvez utiliser. Mais prenez ce que je viens de donner tout de suite. Répétez ça 1000 fois. Achetez à manger, mettez ça quelque part correctement et répétez 1000 fois. Mangez ça dans votre famille, mangez ça dans votre famille, ensemble, avec tes frères, ensemble, avec tes sœurs, ensemble, avec tes parents. Il y a les parents qui souffrent. Il a mis au monde 3 ou 4 garçons, mais les enfants ont abandonné leurs parents. Prenez la nourriture, Inch'Allah, appelez tes enfants le soir. Et non, aujourd'hui, on mange ensemble. Toi, concentre-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous concentrez bien, mon frère parent. Concentrez-vous bien, Inch'Allah, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et prenez la nourriture là, après avoir cité le nom d'Allah, 1000 fois, Ya Wadud, Ya Wadud. Mangez ensemble avec tes enfants. Vous verrez combien de fois les enfants vont retourner chez vous avec l'amour sincère, Inch'Allah. Vous cherchez l'amour où? Maman, vous êtes abandonné avec tes enfants. Répétez les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Wadud, Ya Wadud. Il y a des problèmes dans la famille, entre vous et votre mari, entre vous et votre femme. Répétez ça, Inch'Allah, 1000 fois. Et soyez habitués à répéter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala 400 fois après chaque prière. Vous verrez, Inch'Allah. Peut-être que c'est vous qui sera témoin, Inch'Allah, pour nous appeler, dire que non, Ya Cheikh, Alhamdoulilah. Moi, je vous ai suivi quelque part et j'ai fait ça. J'ai vu ce que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire dans ma vie. C'est vous maintenant qui viendra nous témoigner ça, Inch'Allah. Contactez-nous toujours avec le numéro ici, +255 76 26 64 094, si vous êtes en dehors du pays, parce que nous vous parlons, Inch'Allah, et notre émission, nous sommes juste à Dar es Salaam ici, au Tanzanie. Peut-être que vous êtes en dehors de notre endroit là où nous sommes au Tanzanie, vous vous retrouvez quelque part. Partout où vous êtes dans le monde, prenez seulement les numéros. Commencez par +255. Et le numéro c'est 76 26 64 0 94. Inch'Allah, nous serons toujours disponibles pour vous répondre et disponibles pour vous donner les orientations, Inch'Allah. Naam. Na pia vile vile kwa kumalizia kabisa ni kwamba namba za simu ni hizi zifuatazo. Ndugu yangu ametaja kwa Kifaransa, lakini namba zangu ni 0762 66 4094, 0762 66 4094. Na kama uko nchi ya mbali huko, unaweza kanipigia kwa kuanza na alama ya jumlisha 255 762 66 4094, kwa maana ya +255 762 66 4094. Hizo ni namba ambazo tutupigia. Basi Inshallah, wakati wote, muda wote, tutaweza kusaidiana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, insha Allah. Mon frère ne cherche plus l'amour chez quelqu'un que non, si je pars chez lui, il va me donner l'amour, les gens vont commencer à m'aimer et je serai aimé, aimable partout. Non, cherche l'amour auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et répétez juste les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Wadud, Ya Wadud. Après chaque prière, il faut se donner d'abord avec la prière. Il faut prier correctement 5 fois par jour, comme on est recommandé. Après votre prière, répétez les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Wadud, Ya Wadud. Là où vous êtes, peut-être au magasin, vous cherchez que les gens puissent venir acheter vos histoires. Répétez seulement les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens viendront partout, je vous dis bien, les gens viendront et il faut acheter des marchandises. Et vous êtes quelque part, vous travaillez et vous voulez être en paix avec les gens, que les gens puissent vous aimer. Je ne sais pas là où vous travaillez, Inch'Allah. Répétez les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala après chaque prière, Ya Wadud, Ya Wadud, 400 fois, Inch'Allah. Les numéros ici, ça va vous aider peut-être à nous contacter et trouver autre orientation, Inch'Allah. C'est +255 76
26 64 0 94. Naam. Alhamdulillah. Kwa haya maneno tunafupisha, tutakutana tena katika vipindi vingine. Ni mimi ndugu yako Maalim Suleiman Ngusura nikiwa na Sheikh Zakwan al-Muhajiri. Kwa hiyo kwa haya tutakutana katika kipindi kingine insha Allah. Al-kamalu lillahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Amin, amin.